Allez, on essaye de les détruire vite. Ok, ça marche. Ça, c'est un autre pylône? C'est notre pylône, d'accord. On va pouvoir ajouter des unités de soutien. Ça, il va nous en falloir. Va falloir ajouter des îlots aussi. Voilà, qui devrait faire un peu le ménage. Ok, ça c'est bon. Ok, donc est-ce que je peux avoir au niveau de la balise de la flotte? Hiérarque, nous détectons une formation bien plus importante en approche vers la clé. Soyez parés au combat. Eh ben, on va être parés au combat, il va falloir. Hein. Et on va donc rajouter des phénix qui sont pas mal pour le combat aérien. Ah, j'ai pas assez pour. Ah oui, je les ai pas regroupés. Ce qui est un petit peu problématique. Voilà, le ménage devrait être fait. Et on va s'en prendre directement au vaisseau mère pour le détruire le plus vite possible. Parce que c'est celui qui va nous poser le plus de problèmes et il cache pas mal d'unités généralement. Et donc, ok, ça c'est bon, on va pouvoir ramener nos unités ici. Bien. On a assez pour faire donc un vaisseau mère. Non, c'était pas ça. C'est ça, et le vaisseau mère, c'est ça. Ça c'est plutôt pas mal, ça va être bon. On va pouvoir ramener nos unités ici rapidement. Le bouclier dès qu'on pourra. Pour nos unités au sol. Nos unités aériennes pour l'instant sont pas très résistantes. Hein, mais il va falloir qu'on augmente tout ça rapidement. Si on peut. Cible à portée de tir. Ah oui, là il y a eu du ménage de fait là pour le coup. Allez, on met un bouclier sur nos unités pour en perdre le moins possible. Allez, on recule et on vient aider nos alliés. Voilà, notre phénix fait le travail. Je reforgerai l'univers tel qu'il aurait dû être. Parfait. Alors, on va détruire certaines unités. Est-ce que je peux avoir des phénix Ah, j'ai plus de pylône. Ça, c'est gênant. Il va me falloir une unité pour ça. Je crois qu'on va tapisser la zone de pylône. Ici, vite. Vite, 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 vite. Un problème, c'est que nos vaisseaux sont relativement lents hein, pour certains, donc ça aide pas trop. Ah, je suis cassé. Ah oui, d'accord, je suis vraiment trop par rapport à ce qu'il me faudrait. Alors, on va faire un peu de SimCity, comme on dit. Voilà, pour avoir des pylônes pour si jamais les autres viennent à être détruits. En tout cas, là, ils prennent sacrément du dégât pour le coup. Ça vient détruire vite. C'est plaisant. Ok. Défense réussie de ce côté-ci aussi. Alors, c'est vrai qu'on défend pas beaucoup les Nerazim, mais il va falloir pouvoir. Ah, d'accord, on ne peut plus recharger du tout. Ok, je peux plus me servir de la lance d'Adun. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. On va dire ça comme ça.
On va continuer les défenses qui peuvent l'être. Ouh, trois attaques en même temps. Donc on va défendre d'abord ce que je pense que les autres peuvent tenir parfaitement. Il va falloir faire un début de défense en tout cas, essayer de voir pour détruire rapidement certaines unités. Les plus dangereuses entre guillemets. Donc on va se permettre de reculer. Est-ce qu'on va pouvoir reculer suffisamment? Là en tout cas ils se font bien détruire, donc pas de problème, ça tient. Allez, on va faire un peu de ménage de ce côté-ci avec tous nos vaisseaux. Vite, venir les aider. Allez, ça fait le ménage, ou ça tient en tout cas ce qui peut tenir. Allez, on tient, on tient, on tient. C'est compliqué, mais ça a tenu. Ouf. J'ai une volonté de faire. Eh ben, c'est très bien, mais il va falloir continuer parce que ça va pas être évident. Brèche à l'entrée principale. Les Kaldarim sont submergés. Renforcez le rang immédiatement. Bon, là ça tiendra là-haut. Ok. On va pouvoir tenir temporairement. L'armada dorée, symbole éclatant de votre arrogance. Que votre orgueil soit votre perte. Bon, allez, on va aller aider de l'autre côté. Là, on va renforcer avec un maximum de défense importante. Et on va les mettre ici, des pylônes de défense, enfin de quoi défendre en tout cas. Notre pylône subit une attaque. Cible à portée de tir. Allez, on arrête les adversaires. Que je pourrais placer celui-là. Ok, bon, c'est déjà pas mal. On va pouvoir le renvoyer. Ok, ménage fait. Ah, d'accord, les adversaires sont par là-haut. Ok, c'est bon. On revient par ici. On va prendre une unité ici. On va mettre en place un système de défense avec des pylônes. Il va nous falloir rapidement. Ok, là la défense est en place. Il va falloir de la destruction. Rapide, efficace, pas cher. Ok, on va détruire le vaisseau mère aussi si on peut. Voilà, les vaisseaux principaux, c'est ceux qu'il faut détruire à tout prix, hein, ça c'est sûr. Les autres à côté, ça sera à peu près, on peut gérer, on va dire. Ok, ça c'est bon. On a perdu pas mal d'unités pour le coup, il va falloir les recréer. Ok, ça c'est pas mal. Vous espérez communiquer. Votre base est attaquée.
Bon, là, notre base devrait faire le travail quand même, hein. Vous voyez que c'est protégé un peu de partout. On n'est pas trop trop mal, hein. Bon, on a pris quelques dégâts quand même. On a perdu gros là-dessus. Là-haut, c'est en train de se mettre en place. Ça devrait aider un petit peu à la défense. Ok, qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque des colosses, puisqu'on n'en a pas beaucoup. Ah, et j'ai pas beaucoup, j'ai pas relié les colosses entre eux. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux. Pour l'instant, ça tient très bien du côté... Ah, on n'a plus rien. D'accord, on est à poil, ça marche. Par les dieux, leur vaisseau se jette de front sur la lance d'Adoun. Le noyau est en état critique. Hiérarque, nous ne pouvons plus vous appuyer. Vous avez remarquablement aidé, Roana. La clé sera bientôt à pleine puissance. Esquivez tant que vous le pourrez. Allez, 89%, on va les défendre. Ce qui peut l'être. On va mettre des chasseurs ici pour détruire ces vaisseaux-là, puisque c'est vraiment ce qui nous sert le plus actuellement. Tu as leur sang sur les mains, Artanis, sauveur factice. Ton hérésie sera leur mort. Peut-être, mais pour l'instant... Nous percevons un torrent sans fin de signatures Protoss. Il envoie tous les Templiers possédés à l'assaut de la clé. Nous résisterons, Garax. Nous le devons. Vous espérez communiquer. Allez, on a encore des unités, mais il va nous en falloir encore. Hein. Vous devez placer cela dans un champ d'ennemis. Bon, là déjà, on a un peu de défense quand même. Ok, bon travail. Ça marche, on va reculer. On va reculer, on va se mettre au niveau de la lance. On essaye de protéger, mais c'est compliqué. Hein. C'est clairement difficile. Allez, 95%. On n'est pas trop mal pour l'instant. On peut tenir encore, la clé n'a pas pris de dégâts. Ok, ça a tenu. Est-ce qu'on peut détruire ça là? Ok, c'est bon. On va se mettre au niveau de la clé. Et on va faire les unités dont on a besoin. Ah, on est d'accord, on est au maximum là. Je peux pas faire mieux. Il va falloir défendre les Vorazun et ses groupes. La base de vos alliés est assiégée. Parce que là, ça va être nécessaire. Allez, 97%, 18% même. Ça passe au sud, ça c'est pas bon. Ah, j'ai vraiment plus de place. Là, je peux rien faire d'autre. C'est parti. Allez, 99%. Et la victoire est pour nous. On se met autour de la clé et on va la protéger jusqu'à la mort. La matrice d'énergie est chargée. La clé est prête, Hiérarque. Repliez-vous autour de la clé. Qu'ils viennent à nous. C'est
Selendis. Écoutez-moi. Selendis. Templiers, débarrassez-vous d'Amon. Tranchez vos cordons nerveux. Nous sommes unis dans le Kala. Sans le Kala, qu'allons-nous devenir? Libre. Mensonge. Croyez-moi. Le maître noir a été banni. Il est retourné au vide. Pour le moment, nous sommes libres. Tout cela, nous vous le devons. Je donnerai forme à notre grand rêve d'unification des Protoss. Nous allons rassembler les survivants. Rebâtir nos cités. Débarrassés de nos divisions archaïques, nous fonderons une nouvelle société. Ensemble, nous façonnerons notre destin parmi les étoiles. Et c'est donc là-dessus que se termine la campagne de Legacy of the Void. Donc on a plutôt pas mal... J'en perds mes mots. Je suis plutôt content de cette campagne qui est assez intéressante. Un bon moment d'histoire, où en tout cas on a pu développer les Protoss, et ça c'est très très bien. Après avoir fait, bien sûr, les Terran et les Zerg, qui étaient tout aussi intéressants. Très sincèrement, je me suis beaucoup amusé à faire chacune des campagnes de StarCraft 2. Donc bon, pour le dernier, on n'a pas utilisé pas suffisamment de vaisseaux. On était à deux vaisseaux près, quand même, pour réussir. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, très jolie mission, bien compliquée, quand même, de tenir. Même si on a pu, on était en normal, on n'était pas en difficulté la plus haute, mais c'était déjà pas mal. On va continuer un petit peu certainement pour les dernières cinématiques et on se laissera là. Demain, il y aura un dernier épisode de StarCraft 2, mais ce sera peut-être plus un petit peu de l'amusement, ce sera pour présenter un petit peu quelques éléments de gameplay autres que la campagne. Alors ça sera pas des parties en ladder, loin de là, parce que ça demande beaucoup trop de temps et que je suis pas suffisamment bon, ça c'est certain. Pour vous montrer un gameplay qui a peu d'intérêt, je ne vois pas. Par contre, des petites missions, genre essayer de résister avec, mettons, 10 zilotes face à une cinquantaine de zergs, etc.
Ça peut être intéressant de voir ce genre de gameplay-là, et ça sera pour une vingtaine de minutes. De toute façon, ça sera des moments sporadiques. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc, bah, c'est parti pour la fin de la campagne, et on va pouvoir terminer ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette campagne. Merci d'avoir commenté pour ceux qui l'ont fait. Merci également aux abonnés, hein, tout simplement à tous ceux qui suivent et qui soutiennent la chaîne. Et on se retrouve donc dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Ah, quoique j'ai peut-être parlé un petit peu vite, il nous restera l'épilogue à terminer, donc on n'aura peut-être pas tout à fait fini cette série. J'étais peut-être un petit peu présomptueux, en tout cas, déjà on avait fait le prologue, on avait fait le scénario principal, on fera certainement l'épilogue, je sais pas en combien de missions il est, ça permettra de faire durer un petit peu plus le jeu. En tout cas, moi, je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode, au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!